Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Outlast. Et donc voilà, donc on est parti. Donc la dernière fois, on a vu un mec qui nous dit que quoi, il va nous falloir une clé. Et qu'apparemment la clé est dans la salle de cinéma. Façon, je peux pas passer par là, il n'y a que par ici. Non, je peux pouvoir passer par là. Et que par ici. Ah! J'entends des notes au piano. Y a pas de pile? Ah, c'est une pile là. Là, y a une échelle. Là. Putain, il s'est arrêté. C'est pas bon. Y a pas de pile. Y a pas de pile dans les environs? Je dirais pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens un fils de pute qui va me sauter dessus. Ouh là 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 là, ça annonce mal, ça m'annonce mal, ça. Oh. Ah oui, il était là. Oh putain, ça fait peur. Je la sens tellement pas. Oh! Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fumes are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. Human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed a proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Mais tu vois tout ça? Ça me rappelle la scène de projection dans dans un sanatorium dans Détour Mortel 4. Ça me rappelle clairement, ça me rappelle ce passage-là, franchement. Et qu'après, t'as une fille qui va se faire pendre par des fils barbelés qui perd la tête. De toute façon, ma critique de Détour Mortel 4 vous dit tout sur ce passage-là, que j'aimais bien, mais et tu vois des petits trucs assis qui parlent de. Je vais pas fermer la porte quand même. Qui parle de médecins fous avec des expériences bizarres. J'aurais voulu voir ça dans Détour Mortel 4. Ok, donc lui il se planque. Ok, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici? Non, à part un dossier.
Y a pas de pile dans le coin? Non, y a pas de pile. Pourtant, c'est ce que je veux le plus, hein, une pile. Ici. Y a rien. Putain, les petits frises avec la caméra, c'est chier, ça me fait chier, franchement. Ah, une pile. Bon, deux, ça aurait été bien, mais bon, pourquoi pas. Oh, putain! Qu'est-ce qu'il foutait, ce connard, là? Ok, là. On va passer comme ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Bon, au moins ça m'amène directement vers la merde, comment on appelle ça? Ah oui, d'accord. Ça m'amène directement ici. Et la porte est ouverte. Ok. Ok. Y a pas de soucis. Par contre, la clé est là. Merci. Maintenant, je dois retrouver le père Martin au niveau 3. Donc là où le mec m'a dit il faut récupérer la clé derrière la lumière si tu veux pouvoir accéder au niveau suivant. Voilà, c'est ça, je pense. Bon. Je me sens pas très bien là. Putain. J'entends des booms là, ça me rassure pas là. J'ai les chocottes là. Là, vous pouvez vous foutre de moi, Coco. J'ai les chocottes. Hein. Au cours, j'en ai rien à foutre. Salut. Là, reste là. Reste là. Ne m'emmerde pas. Je sais pas c'est qui là qui a essayé de venir m'attaquer là, mais. Oh bah vas-y. Enculé de ses morts, bon. Ah bah ouais, hein, putain, enfoiré. Ah, peut-être l'ascenseur? Faut que je prenne l'ascenseur? Ah non, il me faut une clé. La porte, là. Non, même pas. Il y a une porte, là. Pas une pile dans le coin? S'il vous plaît. Attends, on va essayer la porte, là. Non. Par là. Ok. Une petite cuisine qui fait plaisir. Peut-être le café, non? Recharger. En fait, c'est la vision nocturne qui épuise beaucoup. Hein. Genre. Moi, je pensais qu'à chaque fois qu'il y aurait une radio, il y aurait une petite pile. Non, il n'y a rien du tout. Je fouille aux alentours. Et là, je vais pouvoir monter, je sais pas pourquoi. Waouh, les éclairs derrière, ça fait plaisir. Ok, c'est à partir par là, mais avant, je fouille les alentours. Ça va, toi? Oh putain, la bouche. Pourquoi la musique, elle a changé, là? J'espère que le mec derrière, il va pas me sauter dessus.
Il n'y a rien, bon, bah, on va repartir là-bas. Donc j'ai ouvert la porte. Pas là-bas, oh là là, la poudre de merde là. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Oula, il est en train de prier lui. Une pile. Je vais arriver à 2-3 à chaque fois pour les piles. On est déjà à la fin du jeu, je suis à 2-3 piles à chaque fois. Prie mon fils, prie. Putain, là, il va me sauter dessus. Il y en a qui va me sauter dessus, je le sens. Même pas. Même pas, même pas. Priez, mes fils. Priez. Je fouille toutes les chambres. S'ils prient tous, normalement, ils ne devraient pas pouvoir m'attaquer. Peur qu'il y en a un qui va m'attaquer. Il y a un dossier, merci. Je pense que si on est chez les gentils garçons, il n'y a rien. Bon, retournons là-bas où il y a la... La tête cassée, c'est là. De pas tomber, tiens la vie quand même. Le God hate sickness, Dieu déteste la maladie. Dieu déteste l'argent. God, he knows, provide a paye, un truc ainsi. Oula! Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Oula, qu'est-ce qu'il me fait, lui? My job. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Paix à son âme. Même si c'était Barjo, paix à son âme quand même. Au moins on a la clé, on va pouvoir se barrer. Ne m'attaquez pas, vous. Je sais pourquoi ils ont verrouillé la porte. Oh, la musique derrière, j'adore. Attends, avant de voir, voyons voir un peu qu'est-ce qu'il a pris. Je suis pas la seule victime ici, loin de là. Je vois un mec atteindre de cramer
La mort la plus douloureuse qui soit, plutôt que de devoir rester ici, oui, les doigts. Je t'ai déjà dit, mais cet endroit est un vrai merdier, enfin, il me reste quelques doigts. Bah, t'en restes au moins... T'en restes un coup. Ouais, ouais, t'en encore bien. Bon Dieu, je crois que j'ai vu le Wall Rider. Il y a tellement de sang dans l'eau qu'on peut le sentir, c'est comme quand on se mettait une pièce rouge dans la bouche, étant gamin. Les murmures commencent à prendre du sens, je suis à l'afflux des parasites. C'est comme une fixette. Le bruit dans la machine comme celui dans ma tête quand le Wall Rider est apparu. Quand je ferme les yeux, je vois des parasites, autre chose. Quelque chose de noir et de gras descend derrière mes paupières. Ça me regarde avec des organes que j'arrive pas à imaginer. Mais le bruit vient aussi de la machine, de l'intérieur des murs, je connais ce son. Je connais l'écriture, le père Martin a tué un homme ici. Est-ce que les mensonges dont il parle, ce seraient les dossiers qui ont disparu de toutes ces boîtes, les faits, les archives, on dirait des documents d'une agence officielle. Ils ont l'air d'avoir au moins 30 ans, probablement plus. Je commence à réfléchir à ces histoires de MKUltra, de CIA, de contrôle mental, le bourdonnement est permanent. Ce mec à la voix du frère anémique, docteur Folamour. Cet enregistrement audio date de 25 ans. C'est un entretien avec ce docteur Wernick, Los Alamos. J'arrive pas à lire parce qu'il y a des mots, enfin il y a des lettres, c'est difficile à regarder. Ça veut dire que l'État fédéral, Wernick parle d'hémorragie spontanée, de tumeur, de réaction d'un psychosomatique de chez des gens suffisamment déséquilibrés. Du funambulisme entre la science et le mystique nazi. Oh putain. Seul un sujet ayant assisté à un degré d'horreur suffisant parvenait à activer le moteur morphogénique, le moteur, le film qu'il projette. Il m'entre dans la tête comme une de ces chansons dont je ne peux plus se défaire. Je ferme les yeux et je fais des tests de recherche qui ressemblent à des SM d'insectes et à des plaies infectées. Les patients parlent d'utiliser le moteur pour faire apparaître le Wall Rider. C'est le bourdonnement que j'entends dans mes os. Hier, parasite. Encore ces parasites. Un patient agenouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries du père Martin. Peut-être qu'il entend les mêmes trucs que moi, mais plus clairement. Peut-être que c'est sa méthode pour ne plus être ici. Le prêtre a appelé ça l'évangile du sable. Je n'arrive pas à croire que le père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. Et je n'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Attends, il dit qu'un psychopathe va lui manquer, un mec qu'il a connu genre en une nuit, c'est tout. Une sortie. S'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir et une histoire à raconter. Il faut que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au monde entier. Ouais, il n'y a pas de document, ça je regarderai ça plus tard. Bon, allons-y. Oh non! Oh, pas le gros. Où il est, hein. C'est la porte là? Non, il casse la porte d'à côté. Est-ce qu'il va péter toutes les portes ou pas là? J'attends qu'il soit loin pour que je puisse partir en courant.
sais pas où il est en fait, hein. Hein? Putain, je stresse là. Où il est là? Alors j'écoute, hein. Je l'entends plus là. Si j'entends là, il se rapproche. Allez. On va tenter. 1, 2, 3. Oh bah nickel. Nickel. Allez hop, la clé. On prend l'ascenseur. C'est bon. C'est bon, je pense qu'en fait on a fini le jeu là. Allez. À nous la liberté. La liberté. La 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 la. On est libre. On est... Ah. Où est-ce que je vais là? Où est-ce que je vais là? Où est une sortie? Non! Putain, mais c'est quoi ce délire? Où est-ce que je suis là? Bon, au moins, c'est éclairé. Ah oui, je suis à l'endroit où il y avait les agents qui se font buter au début. Donc, comme d'habitude, je pense qu'à partir de là, on se rapproche tout doucement de la fin là. C'est creepy. Oh putain, regarde-moi ça, les corps et tout. T'as l'impression qu'ici t'es au pôle Nord. T'es en Antarctique, frère. Regarde-moi ça. Les installations et tout, ça a du côté bonbon, hein. Mais là, je suis sûr de croiser personne, là, normalement, non? Wouah, regarde-moi ça. Ah, une pile. Ça peut toujours servir.
Il y a rien. Là, j'avance tout doucement, hein, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Un dossier. Je pense pas que j'aurais fini le jeu à 100% à mon avis, c'est impossible. Pas de pile dans la zone. Patient 1287B. Et saturation comme ça, ça me fait peur maintenant. Et personne. Tant mieux. Mais je me demande franchement où est-ce qu'on est. Est-ce que c'est une base militaire? Il y a quoi ici? Ouais, des médocs et tout par terre. Ok, il n'y a rien. Je pensais qu'il y aurait genre une pile ou quelque chose comme ça. 4 heures. Oh, mais oui! C'est la liberté. Ok, il suffit de passer la porte là, il n'y a pas de nuit. Ah oui, 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 allez, go, 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 go. Là, je vais être dans le noir. Quoi? Oh putain, le Wallrider! Putain, cours, 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 cours! Cours, 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 t'en tombe bien, t'en tombe pas, t'en tombe pas, t'en tombe pas, cours, 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 cours. Putain, y'a le Wall Rider. Pourquoi la porte elle est fermée là? Oh non! No more escape. Ah bah fais pour ta gueule, connard. God. Oh, au moins lui c'est fait. Et attends, 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 on peut pas retourner là-bas. Putain, y a le Wall Rider maintenant comme ennemi. On peut pas passer. On peut pas passer. Ok. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui est un peu foutage de gueule? Alors d'accord, la porte est peut-être fermée. Mais le mec il peut pas péter la vitre. Il peut pas péter la vitre, prendre un truc fort et taper dedans. Comme ça, il pète la fenêtre et hop, il fonce vers la liberté. Je sais pas, personne a eu cette idée là. Moi je pense à cette idée. Moi j'avais pensé à ça, mais bon, on me dira rien. Je trouve que c'est débile hein, le mec. Il a juste à prendre un truc lourd, je sais pas, moi une planche de bois ou un truc en métal. Oula. Ou un truc en métal, je sais pas, et péter la vitre. Mais non. Après peut-être que la vitre est peut-être à l'épreuve des balles. Donc elle peut être à l'épreuve des coups. Ah. Oula. I am supposed to be dead. Ah, c'est Wernick. No such luck. I am older than sin, but somehow the only one left because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. Certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nano hazard.
Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Ok, donc là on vient d'apprendre que le docteur Wernick est en vie. D'accord. Ok. Ok, ok. Je vais regarder ici s'il n'y a pas déjà des piles. Je vois, il y a des mains coupées et tout. Oh, c'est horrible. C'est franchement dégueulasse. Là, pour passer de l'autre côté. Arriver dans le noir. L'appareil photo et comme d'hab, il n'y a pas de pile. Hein. C'est comme à la fin du dernier épisode, c'était pareil. Je trouvais un coin pareil, il n'y avait pas de pile. Non, il y a quoi par là? Putain, il m'a vu. Je me demandais où est-ce qu'il était. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. Dépêche.
Ah, cours, cours. Cours, vite. Ah. Ah putain, il fait mal. Tiens, là, c'est fermé. Ah putain, il fait mal, le Wall Rider. Ok, ça passe à travers la main, logique. Là, je peux pas. Et quoi ici? Donc là, je pense que le final va peut-être être court. Enfin, on verra bien où est-ce qu'on en est. Wow! Alors là, je vais regarder s'il n'y a pas des piles ou des trucs dans le coin. Ok, la porte, ouais. Une pile. Ça fait plaisir, parce que les piles, c'est la vie. C'est comme Quick. Nous, c'est le goût. Fermer la vanne du réservoir de fluide maintenant sans vie. Qu'est-ce qu'il regarde là? Et quoi en haut là? Une pile. La porte est fermée, ok. Oh! Tu fais le lui? Ah là-bas, il y a une porte. Ok. Putain, la musique... Enfin, j'allais dire la musique doucement, hein. Bon, allez, ça va le faire. On est presque à la fin. Courage. We can do it. Juste un dossier. Ah, c'est ça? Ah ouais. Allez, cours. Je sais pas où aller, hein. Ah, oh, il y a un truc qui est ouvert. Dépêche, dépêche. Oh, s'il va pas me lâcher là. Il veut pas me lâcher. Ouh. Ça me donne la nausée là. Yes. Oh merde. Putain, je viens de le voir. Allez, PTU. Regarde, je vais te boumer. Là, je vais te boumer. Voilà. Tiens, dans ta mère, tu vois pas mon doigt, mais tiens, dans ta mère. Je l'entends encore. Il y a encore un dossier.
C'est moi ou j'ai plus... C'est moins difficile que je le pensais. Maintenant, faut aller retourner là-bas pour... désactiver son truc. Ça va être difficile. Mais bon, si je cours et que je fais pas attention au Wall Rider, normalement ça devrait bien se passer. T'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète, ça va bien se passer. Oh merde! Oh, il m'a chopé! Oh, l'enfoiré! L'enfoiré de ses morts! Bon, on court. Voilà, il est là. Bon, je sais où. Faut peut-être appuyer sur là où, il y avait, où j'ai récupéré le dossier, là, non? On va essayer. Ça ou pas? Ah ouais, c'est ça. Oh merde. Oh, il va me, oh, il va me faire la peau là. S'introduit à l'intérieur de moi en plus. Je dirais que j'ai réussi, non? Sortez. Ok, maintenant faut que je me casse. Il n'a pas l'air bien, Miles. Il n'a pas l'air bien. Allez, allez, courage petit, tu peux le faire. Il n'a pas l'air bien. Hein. Allez, t'y es presque. T'y es presque, Miles, t'y es presque. Tiens le coup. Ah. Je sais, c'est les douleurs après qu'on était à Basic Fit, c'est normal, j'ai ça tous les jours. Oh merde. Quoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? En gros, Miles est devenu l'hôte du Wall Rider. Eh ben franchement, j'ai vraiment kiffé le jeu, honnêtement. J'ai vraiment kiffé le jeu. Je pensais pas que j'allais autant aimer, franchement. Hein, parce que j'ai vu quelques vidéos sur certains youtubeurs qui ont déjà joué au jeu. Et je dois dire que c'était un jeu que je voulais tellement y jouer. D'abord parce que tout le monde dit que c'est le meilleur jeu horreur au monde. Alors, je dois dire que oui. Il y a pas mal de moments où j'ai flippé. Ça reste un jeu, franchement, j'aime bien quand c'est un jeu comme ça, huis clos, où c'est, t'es fermé comme ça, t'as pas un open world et tout. Non, là, t'es vraiment enfermé dans l'asile, t'es tout seul face à des tarés, face à des psychopathes, à des serial killers qui ont subi des expériences, je ne sais pas quoi, et qui sont, du coup, ils sont transformés en monstres. Franchement, génial, quoi. Il y a plein de personnages qui m'ont plu, franchement.
Le gros, là, Chris Walker, ça, par contre, il m'avait énervé. Le père Martin, j'ai bien aimé le personnage, même si on sait que c'était pas réellement un prêtre. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est un personnage qui était sympa, honnêtement. J'aime bien le personnage, était cool. On voit que lui, il voulait pas nous faire du mal, contrairement à tous les autres qui voulaient nous faire du mal. Et qui d'autre que j'aimais bien? Ah oui, Rick Traeger, là, le docteur là, qui nous a coupé deux doigts. J'ai bien aimé ce personnage aussi. Lui, il fait vraiment taré, c'est vraiment un taré quand tu le regardes bien. Même au niveau design et tout. Ça, c'est ça que je trouve le point fort dans ce jeu, c'est le design. Le design des personnages, c'était sympa. Bon, à part les autres patients, où là, ils se ressemblaient tous. Hein, ils avaient tous la même tête, les mêmes fringues et tout. Ça va pas chercher plus loin, mais je dois dire quand même que c'était un bon jeu. Et je suis content, je pensais que j'allais le faire sur 6 épisodes, au final j'en ai fait sur 5. Voilà, j'étais étonné. Je suis étonné pourquoi j'ai réussi à le faire en 5 épisodes. Donc, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Outlast, c'est génial, honnêtement. Il y a un bon travail sonore aussi. La musique est angoissante et tout. Il y a un côté religieux, démoniaque et tout, ça me plaît énormément. En fait, je crois que ce jeu, c'est pour moi un jeu d'horreur, je dirais pas par excellence, mais un jeu d'horreur qu'il faudrait peut-être prendre exemple, en fait. Parce que même si le scénario a l'air simple ou quoi que ce soit, je trouve quand même que c'est un jeu qui, pour moi, a un bon scénario. Je trouve que c'est un bon scénario, quoi. Un journaliste doit enquêter dans un hôpital psychiatrique où il faisait des expériences cheloues une espèce de d'allemand ou un truc ainsi. Moi, j'aime beaucoup, honnêtement. J'apprécie beaucoup. C'est un jeu que j'aime. C'est vraiment drôle, honnêtement. Enfin, drôle. Il n'y a pas un moment où j'ai ragé. Je suis mort très peu de fois. Je suis mort que 2 fois, il me semble. Oui, et après les autres, je m'en suis sorti sans problème. Comme quoi, je ne pensais pas que j'allais réussir sans mourir. Enfin, sans mourir. Je suis mort quand même 2 fois. Mais bon, c'est déjà assez bien quand même, hein. Alors que je suis pas un grand spécialiste des jeux d'horreur, mais je dois dire que là, en tant que premier vrai jeu d'horreur que j'ai fini sur la chaîne, je trouve que c'est quand même agréable. Et j'étais même surpris. Pourquoi j'étais pas mort plus de 2 fois. J'espère qu'il n'y aura pas un screamer. Non, ça va. Donc voilà, donc Outlast, bon, je sais qu'actuellement, c'est un jeu qui est très difficile à trouver. Moi, heureusement que j'ai pu trouver la version qu'il y avait sur PS4. Où il y a à la fois Outlast 1, son DLC Whistleblower avec Outlast 2. Donc j'ai pu trouver ça pour 30€, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Et voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si vous avez aimé Outlast, je vous conseille de l'acheter. Mais je pense que tout le monde a déjà joué au moins une fois à Outlast. Si vous n'avez pas encore joué, franchement, je me demande qu'est-ce que vous avez branlé, honnêtement. Qu'est-ce que vous avez foutu de votre vie pour pas jouer à Outlast? Et donc voilà, on va s'arrêter là. Bon bref, Outlast, j'ai passé un bon moment, c'est vraiment un très bon jeu, j'ai vraiment kiffé. Et j'ai hâte pour demain pour le DLC Whistleblower. Whistleblower, oui, qui veut dire dénonciateur ou révélateur, un truc ainsi, il faudra que je vérifie un peu. En tout cas voilà, donc j'espère que cet épisode final de Outlast 1 vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me ferait bien évidemment plaisir. Je sais plus parler, c'est la fatigue. Et qui me ferait bien évidemment envie de continuer, mais aussi à vous abonner parce qu'il y a un certain qui regarde mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le grand Bixman, tout ce qui fait plaisir, et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante, il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut à tous.